Bonjour le Crogistan et bienvenue pour les suites d'aventure sur Grimworld avec la garde impériale. Ils sont en route, hein. Ouais, ils sont sur le retour. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la nourriture. Mais je peux pas y retourner. Oh, hey, c'est bon. Ils peuvent passer 2 jours sans bouffer, sans mourir. Ça craint. Je vais peut-être creuser 3 tombes. Ok. Ah oui, donc je fais plus de recherche parce que j'ai besoin d'un quart pour ça marche. Non, mais blague à part, ça va aller. Malnutrition mineure. Oh, je peux pas croire qu'on meurt de faim en 2 jours. Après, c'est un jeu vidéo, tu vois. Why not? Ah bon, ils sont gras comme des loukoums, mes gars. James, il fait quoi? Il fait des medikits, ok, c'est bon. Je pense qu'on va en avoir besoin dans quelques heures. Tout le monde a mis sa jumpsuit, hein, c'est bien. Okay. La base est encore dégueulasse, hein. Alors, travail, transport, nettoyage. Nettoyage, il est en P1, Lucifer. Et c'est toujours aussi dégueulasse. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe. Non, les animaux, je les ai. Ils sont... Non, je sais pas. Il y a peut-être moyen de nettoyer, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est dégueulasse. Il fait quoi de ses journées, Lucifer? Ah, il nettoie. Hein. Franchement, il passe son temps à nettoyer le bétail. Si on se faisait une porte. Oh là là, oui. Comment une porte ici? Je peux pas l'aider, mes soldats sont pas là. Je peux pas l'aider, c'est pas possible. Ok. Gankar, il fait quoi maintenant? Il sème toujours des plantes. Ouais. Ouais, il est tout seul à cuisiner, enfin à jardiner, donc c'est long. C'est logique.
maintenant il plante du riz, ça marche. Projet de recherche nécessaire. Ah, c'est pour ça que. Bah oui, mais attends, j'avais des trucs de recherche en cours, moi. J'avais mis. Réacteur à plasma. Ouais. J'avais mis les réacteurs à plasma. Ah, bah c'est pour ça qu'ils recherchaient plus. Bon, ma foi, c'est pas plus mal. Il fallait les faire, les plantations, de toute façon. Top. Voilà. Ils sont en train de mourir. Je veux pas le bagnage, je veux le bouffer le Mufalo. Ouais, regarde, monter Jules sur le Mufalo par exemple, c'est pas possible de faire ça? Bon. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Ouais, ils sont déjà partis. Il y a aucun lieu que je peux atteindre plus vite déjà, ça c'est sûr. C'est quoi, c'est une base du chaos? Strike Paz. Oh, regarde! Vraxian Regen Militia. J'ai bien fait de pas accepter le mec tout à l'heure, c'était un gars qui était poursuivi par le chaos. Attends, on va faire ça. 2 jours. Alors, on va prendre ici, former une caravane, Mufalo. Au moins que je mette un homme avec, j'imagine, on va prendre Lucifer. Prendre 30 places simples. Ok. Dépêche un peu, non, sans déconner. Il va falloir plus de temps pour préparer la caravane que pour aller jusque-là. Allez, c'est parti. On va essayer de les faire se rencontrer dans ce coin-là. Admettons, alors, Nico. Ah ouais. C'est quoi tout ça? Ah, c'est des huskies pourris. Oh, la tristesse. Il est où mon marteau? Je vais devenir fou. Alors, Freckle, est-ce que tu sais te battre? Pas du tout, elle est incapable d'action violente. D'accord. James non plus, Bleach peut se battre un petit peu, Hanker ne peut pas. Alors, Bleach, est-ce que tu peux prendre un flingue? Non. Non, pas du tout.
Normalement, je vais le déboîter au marteau tonnerre, il n'y a pas de... Trickle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, lui, c'est quoi l'idée? Oh, tu vas où? C'est ridicule! C'est ridicule, le mec il m'attaque à la grenade au corps à corps, attends. Vous allez brûler, vous, en fait. Ouh, tchou, 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 tchou. Le warg il fuit. Non mais bon, d'un autre côté je savais que c'était vraiment pas une bonne idée, j'ai voulu essayer quand même. C'était très con. Bien. Bon bah comme ça on a vu que il y avait des choses à ne pas faire. Alors Nico, je vais le faire tout de suite parce que je vais oublier. Et plus le temps il passe dehors, plus il se détériore. Tu vois, il a perdu 1%. Ensuite, bah Lucifer, tu vas pas attendre, malheureusement, on va pas attendre que t'aies fini ta nuit, mon grand. J'aurais bien voulu qu'il passe sa nuit tranquille, mais ça va pas être possible. Alors, former une caravane. Lucifer. Et de la bouffe. On n'a pas le temps qu'il faut pour amasser 3 bouts de viande. Dans ce coin-là à peu près. On devrait se croiser ici, je pense. Caravane prête, on s'en fout, merci. Ok, ça marche. Alors Anker, il doit être en train de chercher, ok. Donc du coup, il n'y a personne qui va faire mes plantations. James, tu sais pas... Nico, il sait pas faire. Écoute. Voilà. On va le passer en P3 recherche parce que... P3 recherche parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot à faire, donc on reprendra les recherches et tout. On prendra la recherche et tout quand tout le monde sera revenu. Parce que là, j'ai pas assez de main-d'œuvre, tout simplement. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de tortiller du cul. Où je surveille pas qu'ils se croisent sans s'arrêter parce que bon. Ah oui, puis Lucifer qui nettoyait la base, maintenant il est plus dans la base. Ce qui fait que c'est vraiment la merde.
Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ils ont faim déjà. Hein. Malnutrition sévère. Là, normalement, voilà, ils vont se rencontrer sur ce carré-là. Cet hexagone même. Hop, fusionner. Voilà, c'est bon. La malnutrition est passée, jour de nourriture 1,9, temps restant 0,9, on est bien. Ok, mission de sauvetage accomplie, et ça c'est cool. Il fait, il coupe du bois lui, il fait tout un carré, il coupe du bois, il récolte, il fait tout. James qui va faire de la bière. Okay. Glitch qui est parti faire de la neutronamine, c'était vraiment pas... C'est vraiment vraiment pas une priorité là, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge plus? Ah si. Si, ça bouge, mais c'est... Oh, disons qu'ils ont pas l'air très motivés, quoi. Bon, il devrait arriver pour demain matin. Ok, c'est cool. Bon, je vais garder cet épisode. On n'aura pas fait grand-chose parce que j'ai rechargé deux fois la partie. Et c'est pour vous montrer, parce que de plus en plus dans les commentaires, vous donnez l'impression que je vais pas assez vite, je devrais faire plus d'attaques, etc., etc. Vous voyez que c'est encore délicat. Je dis pas que je pourrais pas mieux me débrouiller, mais c'est encore délicat. On a failli perdre 4 mecs là, enfin 3 mecs, plus celui qui est parti. Elles sont où les rations de survie? Ah, regarde, il manque. J'avais dit cancel la recherche pour je ne sais quelle raison. Donc comme vous le voyez, c'est pas encore tip top. Il faudra que j'ai un petit peu plus de matos, peut-être. Pas exactement. Déjà des rations de survie. Déjà les rations de survie, ça nous aidera à nous en sortir. Oh merde. J'imagine qu'ils sont fatigués. Alors Jules, Hugo, Iseria. Ça devrait pas brûler normalement. Iseria veut aller se coucher, c'est clair et net. Je le sais bien. Jules s'est fait tirer dans le cul par Iseria. Okay.
Alors. Waouh, mais c'est à l'autre bout du monde, ils arriveront jamais. Ok. Hugo. Ok. Iseria. On va attendre un petit peu. On va la mettre là. Lucifer là. Le truc c'est de péter le vaisseau avant que. Hein. Voilà. Allez, allez vous coucher, vous l'avez bien mérité. Ok, bon bah les amis, sur ce, je vous laisse là pour cet épisode en espérant que Hugo et Jules arrivent jusqu'à la base sans encombre. Mort dans 20 heures, ça va, il lui faut moins de 20 heures pour aller à la base quand même, faut pas déconner. Des bisous, à demain, ciao ciao!